l'ennemi qui le Seigneur prend toute la place. Que ma personne soit écartée et passée, Jéhovah Jireh. Car je ne connais rien, c'est toi seul qu'on regarde. Nos regards sont sur toi. Que ce lieu soit sous ton contrôle. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit dérangé de ce lieu. Retourne dans le lieu aride. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance de Dieu envahisse cette salle. Que le sang de l'agneau inonde ce lieu. Et que tout esprit de lourdeur, d'assoupissement, de distraction soit brisé. Tu es un Dieu réel. La mort ne t'a pas pu contenir dans le séjour de la mort. Mais le troisième jour, tu es sorti du tombeau. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Il est sorti du tombeau, il est présent.
faut. Jésus est tout ce qu'il me faut. Dis à Dieu que c'est lui seul qui peut faire sur la terre. Même je vais le réveiller. La disciple lui dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était très près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Ce message qui nous parle, l'histoire de deux sœurs, Marie et Marthe, et ensuite leur frère Lazare. Et au commencement de l'Écriture, il dit que Marie, c'est celle-là qui oignait les pieds de Jésus avec quoi? Le parfum sur ses cheveux, essuyait les pieds avec quoi? Avec ses cheveux. Et la Bible dit que cette famille aimait Jésus et Jésus aussi aimait cette famille. Amen. La Bible précise que Jésus aimait Marie, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Lazare. Amen. Et cette famille, dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre, cette famille servait Jésus-Christ, cette famille servait Dieu avec des finances. Amen. Pourquoi
Jésus a fait des miracles au temps où les gens avaient des disciples avec cette famille. Ils ont vu qu'il a guéri les pointeurs, il a guéri les lépreux, il a transformé l'homme et mon père. Et les gens ont vu la différence de cela. Mais le peuple n'a pas encore vu cette dimension de la résurrection. Et le poids était encore quoi? Limité. Et il prenait Jésus comme un prophète comme les autres. Mais Jésus voulait mettre la différence. Il voulait démontrer qu'il n'est pas limité, qu'il n'est pas un prophète, qu'il est lui-même Dieu incarné. Amen. Amen. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu que nous prêchons. Jésus
super. Alléluia. Il comprend la sagesse humaine. Jésus comprend l'homme. La puissance de Dieu est au-delà de toute puissance. La puissance de Dieu suspend toute chose. Rien n'est comparable à ce Dieu. Les hommes le voyaient comme un prophète. Les hommes l'ont calculé comme un prophète. Comme les hommes prophètes qui sont venus. Comme les Moïse qui sont venus. Les Daniel qui sont venus. Les Élie qui sont venus. Les Élisée qui sont venus. Bien-aimés. Tu prends l'esprit en quoi? Tu crois même en quoi? Ça va venir comment? Ça va venir
Ça parle à côté. Les affaires. Les affaires. La soupe. Final. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on fait plus, on est honte, on a honte là. C'est vrai, on fait comme ça. On sait que tu as pouvoir pour guérir au moins les petits maux de tête. On sait aussi que tu as transformé le monde. On sait aussi que tu as guéri quelques maladies qui étaient un peu boitées de façon aussi là. On sait. Mais question de mort là. J'ai tué quelqu'un comme ça, t'as fait quoi? Avant, on fait plus, on a la honte là. Chacun dit oui. Il faut quitter dans ça. Mais je suis bien aimé. La Bible déclare que Jésus a commencé à faire quoi d'abord? Pleurer. Jésus pleura. On dit, on n'a pas dit. Nous-mêmes, il pleure, non? Jésus pleura. On a dit que tu ne peux pas. Faut pleurer, puis on va dire. Si tu ne pleures pas, on va retourner. Alléluia. J'ai dit alléluia. Jésus ne pleura pas parce que son ami est mort. Il ne pleura pas parce qu'il était incapable d'agir. Il ne pleura pas parce qu'il était illimité. Il n'a pas le pouvoir de faire quelque chose. Mais mon Jésus pleurait à cause de son peuple. Il pleurait à cause de son peuple qui était incrédule, qui résonne à notre moment. Pleurait pour l'incrédulité. Ce soir, Jésus pleure pour toi. Les astuces ont pris son corps, l'homme a pris son corps.
t'assois. Il a dit, enlève la pierre. Ôtez la pierre. Tu as quelqu'un, enlève la pierre. Enlève la pierre. Ce soir, enlève la pierre. Ce soir, enlève la pierre. Jésus.
J'avais tellement de choses du Seigneur. Dans la Bible, en Israël, on parle pas de tout le monde qui sont en Israël. Mais aujourd'hui, ma Bible parle de cette famille-là. Et dans le monde entier, on prêche Jésus-Christ qui a ressuscité Lazare. Et tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Ce que tu vis aujourd'hui, je vais te dire. Ce parce que le Seigneur ne voit pas ce que tu traverses. Dieu prépare ta célébration. Amen. Je vais annoncer à quelqu'un. Ce que tu traverses aujourd'hui, ne pleure plus. Arrête de craindre. Arrête de lamenter. Tu seras célébré. Jésus les avait abandonnés. Oh bien-aimé, car Jésus, il n'abandonne personne.
que Dieu fait pour nous. Il permet des situations pour sa gloire. Amen. La situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Le plan que tu vis aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Et je t'annonce aux yeux de tes ennemis, tu seras célébré. Lazare est sorti du tombeau. Lazare a continué sa marche, a continué sa destinée, a continué sa vie, a continué ses affaires. Merci Jésus. Je t'annonce, tous ceux qui ont planifié ta mort, c'est eux-mêmes qui seront guéris. Je te confie ton peuple ici près de toi depuis
le Dieu de Lazare est rien. Notre Dieu est vivant. Et qui croit que le Dieu de Lazare est rien? Je crois ce Dieu-là. S'il a fait pour Lazare, il va le faire pour toi. Il faut croire. Jésus, tu te dis peut-être Jésus ne m'aime plus à cause de ma situation, à cause des preuves que je traverse. Je te dis ce soir que Jésus t'aime encore. Ne sois point découragé. Il veut dire à quelqu'un, arrête de pleurer. Car Jésus est sur tes larmes. Alléluia. Crois simplement. Et il a dit à Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et il dit à quelqu'un ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a des messages pour vous, mais le temps me persécute. Je suis déjà en retard. Samedi prochain, je vais livrer vos messages. Amen. Et on n'aura plus de temps pour prier. Je crois qu'avant le mois d'avril, avant que le mois de mars finisse, il y aura des témoins glorieux en ce lieu. Amen. Quelqu'un croit? Amen. Alléluia. Pendant les prières, je vois des clés de plusieurs personnes qu'on donnait à nous. Alléluia. Les clés. Les clés. Merci. Tu auras les clés. Amen. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Et samedi prochain, on se retrouve ici. Tout à l'heure, avec un Dieu. Amen.